Les menaces de Donald Trump n'impressionnent pas l'Iran. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le chef de la diplomatie iranienne. Le président élu a promis durant sa campagne que les États-Unis se désengageraient de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran a appliqué sa part du compromis, a réagi Mohamed Javad Zarif. Malheureusement, les États-Unis, y compris sous l'administration actuelle, n'ont pas pleinement appliqué leur part. Mais nous pensons que c'est un accord raisonnable qui est dans l'intérêt de tous. Il a notre préférence. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'autres options. Signé en juillet 2015, ce règlement est censé garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Dans sa course à la Maison-Blanche, Donald Trump l'a qualifié de stupide. L'Iran viole déjà l'accord, s'exclamait-il dans ce discours. Ils ont violé l'un des pires accords jamais négociés. Il y a deux jours, l'Agence internationale de l'énergie atomique a reconnu que l'Iran avait légèrement dépassé la limite de production d'eau lourde, utilisée comme modérateur dans les réacteurs.